Salut tout le monde, c'est Mignon. Dans cette vidéo, on se relève des phrases fantastiques de saxophone. C'est parti. Les amis, dans ma dernière vidéo, on a relevé du piano avec un bout de solo de FKJ. Dans cette vidéo, on continue d'illustrer le même propos, c'est-à-dire relever d'autres choses que des guitaristes pour s'inspirer à la guitare. Et je vais vous montrer des phrases de sax que j'ai relevées chez Braxton Cook, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Des phrases que j'ai relevées notamment dans l'album qu'il a fait avec Butcher Brown. Le titre s'appelle DMV. DMV. Et c'est juste fantastique, les phrases qui sortent dedans, et c'est juste une source d'inspiration folle pour la guitare. Donc c'est parti, sans plus de bavardage, je vous montre un peu tout ça. Ça va pas être un tuto hyper détaillé, mais juste de l'inspiration. Je vais vous imprégner de ce genre de phrasé. C'est parti. Allez, regardez, je vous montre la progression d'accord. Ça fait La majeur 7, qui va sur un Sol bémol majeur 7, qui va sur un Ré majeur 9, qui va sur un Ré mineur. Éventuellement, on peut rajouter ça. La majeur 7, deuxième fois, il y a une variante à la fin. Sol bémol majeur 7, le Ré majeur 9, une sorte de 2-5 qui va sur un La augmenté. C'est joli. Donc, le 2-5 à la fin, Si mineur 7. Alors on l'entend pas vraiment celui-là, j'ai essayé de ralentir, de voir la basse, je sais pas s'il est suggéré ou quoi, mais il préparerait bien, en toute logique, le La augmenté, donc oui, on va dire que c'est globalement dans l'esprit un Mi 7 bémol 9, qui va sur le La augmenté. Et là-dessus, bah, je vais vous montrer comment ça sonne juste les plans à la guitare, je vais m'enregistrer la progression pour moi, et vous jouez les plans par-dessus. Allez, je vais vous détailler un peu les plans, pas beaucoup, je vais pas faire un tuto, je fais ça toute la journée pour mes formations, je vais pas vous casser la tête avec la théorie, mais je voudrais vous faire entendre 2-3 trucs qui sont vraiment pas mal sur ces plans. Donc au début, il commence sur le La majeur 7, il joue autour de l'arpège, hein. Il vient chercher ici la 7e majeure, il joue sur les notes du mode, ensuite tout de suite ça change pour le Sol bémol majeur 7, et là il va jouer pentard. Pardon. Ça c'est que de la penta. Et là il va transiter. Ça change vite les accords. Il va transiter sur la tonique du Ré. Donc il va jouer juste ce motif là. La tonique et la quinte. Seconde, et ensuite l'accord se minorise, et il vient jouer la tierce mineure ici pour la faire entendre. On est reparti pour un second tour, la majeur 7. Là c'est très joli le plan qu'il va faire. Ah, ça j'adore. Pas les petits mouvements contraires. Je descends, je monte. Et le groove, les amis, la façon dont il le place. Et ensuite, il transite sur le Sol bémol. Ici. Et à nouveau, penta. Avec une petite triade suspendue. Comme je les aime.
Ensuite, le Ré majeur qui est là. Et là, c'est le plan, le gros plan de Porcas. Autour de l'arpège de Ré majeur 7. Et après, ça transite sur le 2-5, je vais pas pouvoir enregistrer à chaque fois au looper, mais grosso modo, le plan complet sur le 2-5, en partant du Ré majeur, si j'y arrive. Ah, il arrive sur la triade augmentée. Franchement, les amis, ça, c'est de l'inspiration pour le phrasé.